Salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. C'est une petite vidéo rapide, ce qui va durer tout au plus 10 minutes. Voilà, c'est pour me prononcer si cette histoire des Débordeaux arrête la musique. Mais avant, vous connaissez, écoutez un peu mon artiste. Voilà, mon coup de cœur. Souffrez que vous écoutez mon artiste avant qu'on continue ce que vous aimez. Voilà, ce que vous voulez savoir là. Souffrez, il s'appelle First King. Écoutez-le et puis regardez en description. Allez vous abonner au maximum à sa chaîne YouTube. C'est très important. Il faut soutenir les nouveaux talents parce que c'est eux l'avenir de la musique africaine. Voilà, et lui c'est mon coup de cœur du côté du Bénin. Et j'invite tous mes abonnés, en tout cas tous ceux qui aiment Héritor, qui sont fans des chroniques d'Héritor, des vidéos d'Héritor, de la franchise d'Héritor, pardonnez, allez vous abonner au maximum à sa chaîne. Sa chaîne est dans la description, juste en bas de toutes mes vidéos désormais. Voilà, c'est First King. Sa chaîne est en tête. Vous cliquez sur le lien, vous écoutez son morceau, vous commentez, vous partagez et vous vous abonnez surtout. Voilà. Écoutez-le un peu, puis après on revient. Que la bénédiction soit pour toujours simple. Chaque fois j'ai besoin de toi, t'es toujours à l'œil. Ce sourire, c'est lui qui m'en fait. Malgré j'ai un galon de peu, je mérite, mais pas c'est bien fait. Alors je m'aime, je noie. Ils l'ont fait pour nous. On le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est concret, concret, à la base. Je possède, à des firmes. Voilà, vous avez vu, hein, il est vraiment talentueux, il chante très bien. Voilà, il a besoin de notre soutien, il a besoin de notre coup de pouce. Voilà, c'est en s'entraînant qu'on devient de plus en plus fort. Donc, franchement, à cause d'Héritor, montrez-lui que Héritor a une petite influence sur les réseaux sociaux. Voilà, n'oubliez pas aussi, mon ami Yami de la Chine, c'est lui la main qui donne toutes les bonnes infos sur la Chine. Son lien aussi en description, allez vous abonner. Actuellement, vous êtes presque à 500 abonnés. Manifestez-vous, faites bien le travail pour qu'il puisse vous dire merci. Voilà, pour l'instant, je lui ordonne pas de faire ça parce que j'attends d'avoir le quota des 500 abonnés avant un merci de sa part. Donc, continuez à vous abonner. Cependant, revenons sur le sujet qui vous intéresse parce que je sais que c'est ce qui vous attendez depuis. Voilà, il est 16h et normalement, c'est l'affairage de ce jour-là. Bon, ça raconte par-ci, par-là que Débordeaux a décidé d'arrêter la musique ivoirienne. Bon, la musique ivoirienne, c'est trop dit, d'arrêter sa carrière musicale. Moi, ça me fait rire parce que c'est vraiment drôle d'entendre ces grandes choses-là. Est-ce que vous savez, malgré que ce mec-là est traité de paresseux, de nonchalant, de talentueux, mais qui ne force pas et tout, il adore la musique. Il adore la musique. Sinon, entre la musique et le football, il n'avait pas fait le choix de la musique. Il y a eu des fois, même Débordeaux est venu ici, publiquement dit qu'il arrête la musique. Si vous vous rappelez, même le père Alpha Blondy a fait une vidéo pour dire, mon petit, tu racontes tes conneries. Tu n'as pas que d'arrêter la musique. Parce que si tu arrêtes la musique, tu auras affaire à moi. Il rentre en studio, ça n'a même pas duré. C'est là qu'il a enchaîné un pic, mais. Donc, il y a des gens qui aiment se faire voir sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a des gens qui aiment se faire voir. C'est malheureux. C'est des gens que j'apprécie. Mais quand tu leur dis les vérités, ça leur fait mal. Bon, pour ne pas dire que je suis lâche, je vais m'adresser rapidement à mon frère Haruna le gouverneur. Haruna le gouverneur, tu connais. Ses familles, souvent tu t'amuses à m'insulter de manière grossière, à utiliser des gros mots. Mais jamais je t'ai répondu comme ça. Moi, je te dis toujours dans mes réponses qu'il faut être sage dans tes réponses. On ne dit pas que tu ne dis pas la vérité souvent, mais la plupart, tu racontes du n'importe quoi. Tu n'as même pas conversé avec l'artiste. Tu n'as même pas eu confirmation de l'artiste. Soi-disant des personnes autour de l'artiste. Un staff même qui est bâclé. Un staff même qui ne se fait même pas appeler staff. Je ne sais même pas si c'est de ce staff même que tu as reçu l'info. Et tu te lèves. Tu affirmes publiquement. Tu as une petite audience aussi. Quand tu fais une vidéo, il y a au moins 5000 personnes qui vont regarder. Donc tu es en train de burner 5000 personnes comme ça. Tu es en train de créer la psychose dans la tête de 5000 personnes. Est-ce que tu réalises un peu ce que tu fais? C'est pas intéressant, famille. C'est pas intéressant, mais bon, de toi à moi. Tu sais pas que tu perds en crédibilité. Demain, que du sale sort. L'artiste a fait sa promotion. Il fait même un direct pour démentir même ton mensonge. Ça va te rendre plat. Mais bon, peut-être que c'est vrai aussi, hein, à te voir réagir. On sait que c'est quelqu'un qui n'a pas honte. À la limite, tu t'en fous, on sait ça. Mais souvent, il faut avoir la dignité. La dignité d'homme ne doit pas te permettre d'avancer ce genre de choses à sans preuve. C'est pas joli à voir. Donc, fan de Débordeaux Likoufa, vous savez. Voilà, comment il est dit là, à 99%, c'est toujours vrai. Voilà, personne ne savait ici que Débordeaux était parti en tournée. C'est pas parce qu'il n'a pas commencé à faire ses spectacles
que cela veut dire qu'il arrête la musique. Je suis désolé. Il n'y a que Dissal qui est prêt. Atalakou de Rêve qui est prêt. L'hommage à son ami qui est prêt. C'est vrai qu'il tarde à faire sortir tous ces morceaux-là, mais ça ne veut pas dire qu'il va arrêter la musique. Au nom de quoi? À cause de qui? Vous savez ce qu'il gagne avec sa musique-là? Les cachets de 25 millions par concert, de 15 millions par concert, là, il a qu'à chier dessus. Il a qu'à cracher dessus. Parce que soit il est trop arrivé, il a eu combien même dans sa musique-là? Puis il va venir arrêter. Et puis vous aussi, chers internautes, vous fans de Bordeaux, vous aussi, quand vous avez des informations, franchement, je suis écœuré, je suis en colère, même quand vous rentrez dans mon inbox. Pour me dire, Héritor, ça raconte que de Bordeaux dit qu'il arrête la musique. Ah, vous aussi. Ah, vous aussi. C'est vous là-même, là. On peut venir dire que votre papa est mort. Hier. Yeah. Oh, pendant ce temps, votre papa est en face de vous. Et puis vous croyez. Vous savez, vous doutez même que c'est votre papa qui est en face de vous. Quand même, soyez un peu. Comment je vais dire ça même? Comment je vais dire le mot à décom, c'est quoi même? Faites un peu attention, quoi. Faites un peu attention. Parce que vous croyez en tout et n'importe quoi. Si l'artiste arrête la musique, il va venir faire un direct, il a peur de qui? Il va arrêter la musique. Quand il va arrêter la musique sans bruit, c'est pas sérieux. Et puis, ce qui me fait mal, cette vidéo-là en train de créer du désordre dans la tête des fans de Bordeaux Likoufa. Et ça peut bâcler. Vous pensez que c'est du buzz que vous voulez créer, mais ça peut bâcler la sortie de ces singles. Affirmé. Au nom de l'artiste qui arrête sa carrière musicale. Tu sais ce que ça représente? C'est une affirmation gratuite qui est condamnée aux yeux de la loi. On peut t'enfermer pour ça. Contrôlez un peu ce que vous dites avant de sortir sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on dira que l'artiste ne se prend pas au sérieux, il n'a pas un bon chargé de communication, il est un peu dispersé. Mais ça ne vous donne pas le droit de raconter du pipeau à son encontre. Je suis désolé. Ressaisissez-vous un peu. Que ce soit fan de Bordeaux, que ce soit les soi-disant défenseurs, que ce soit les internautes, franchement, soyez réveillés un peu. Il y a des gens, quand ils parlent, normalement, ça doit créer un peu la psychose. C'est-à-dire, on doit croire un peu, parce que d'habitude, les personnes disent la vérité. Mais bon, le mec, il a sa caméra, pour ne pas dire qu'il a son téléphone, il fait une vidéo, il balance cette information-là, et puis, tellement vous croyez à l'information, vous osez rentrer dans moi, mon inbox, Héritor, pour me demander que, Héritor, on a appris que de Bordeaux a arrêté sa carrière musicale, là, c'est vrai. Et puis moi, je vais vous répondre quoi? C'est faux. C'est trop vous considérer, et puis c'est trop considérer même cette fausse rumeur-là. Le silence de l'artiste ne veut pas dire qu'il arrête sa carrière musicale. Je viens vous dire, dans cette vidéo, que vous êtes en train de lire, et que vous allez partager massivement, que c'est archi faux. Vous m'avez entendu? C'est archi faux. Donc, demeurez sirène, attendez que Dissal, continuez à vous abonner aux pages de l'artiste, c'est-à-dire sa chaîne YouTube, pour attendre que Dissal, son compte Facebook, pour grandir son audience. C'est le plus important. Les conneries de il a arrêté sa carrière musicale, là, c'est des choses, quand vous entendez, là, tant que l'artiste n'a pas dit ça dans sa bouche, et même si l'artiste dit ça dans sa bouche, ne croyez pas. Parce qu'il a déjà fait deux fois, et puis il est revenu. Moi, ces gens de conneries, là, ça n'arrive pas à me... Ça arrive pas à me berner quoi, ça arrive pas à me manipuler, ça ne prend pas sur moi. Je sais pas pourquoi sur vous ça prend. Nous sommes humains, nous tous. C'est pas que je suis un robot. Je réfléchis comme vous, je suis confectionné des chairs, j'ai du sang qui coule dans mes veines. Mais quand on me dit quelque chose, je pense avec les petits doigts de la main quoi. Ressaisissez-vous. Voilà, de Bordeaux va très bien. Que du sale est déjà prêt. Je vous ai déjà dit que du sale va sortir à un moment où personne ne va s'entendre. Voilà. Donc ceux qui sont berné par cette info, laissez-vous berner. Voilà, laissez-vous berner. Maintenant, les plus sages, les plus intelligents comprendront que c'est juste de la manipulation et de la mauvaise propagande. Vous comprenez un peu? Voilà, donc j'espère que je me suis fait entendre. Je vous ai dit que je n'allais pas être très long dans cette vidéo-là. Parce que ces gens de conneries-là, franchement, je ne supporte pas. Je ne supporte vraiment pas. Ressaisissez-vous. Voilà, c'est Héritor qui a parlé. De Bordeaux va très bien. Il revient bientôt de son voyage. Et vous serez servi, musicalement parlant. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un, pour ne pas dire, il n'y a pas un artiste qui aime sa musique, là, son affaire des chansons, là, comme De Bordeaux. C'est pourquoi quand il a des histoires de l'argent, il ne joue pas avec. Oui, c'est ça qui est son mangement. C'est de ça qu'il vit. Non, ne vous amusez pas à dire aux gens qu'il arrête sa carrière musicale. Il a trop à prouver encore. Il a beaucoup à prouver encore. Son talent est trop grand pour s'arrêter en si bon chemin. Voilà. Donc, c'était la vidéo d'Héritor. J'espère que c'est rentré dans vos youpli. Partagez au maximum et puis abonnez-vous.
abonnez-vous au max. C'était Riton, ça chauffe pas. Quelqu'un n'a qu'à venir dire qu'il ment. Comme je sais, comme d'habitude, vous viendrez vous muscler sur cette petite vidéo là, mais j'ai fini de parler. Voilà. Max, le partage et puis force à des Bordeaux.